fait prisonniers. À midi, ils se sont rendus, hein, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à les déshabiller. Il y en a qui ont maquis, ils étaient malheureux, ils n'avaient pas de souliers, ils n'avaient plus rien. Ils ont pris les souliers des Allemands, ils ont pris les vêtements. Et nous, on les a menés. Moi, j'étais avec le pingouin, Alfred Antelme. On a mis les Allemands dans la camionnette Oskisch et on les a menés au barrage de Castillon pour les conduire, parce qu'on ne savait pas, les Allemands étaient encore à Draguignan et tout, ils étaient poursuivis par la troupe alliée en bas, hein, et on ne savait pas s'ils n'allaient pas faire quelques scandales en passant à Castellane, puis on ne savait pas, on n'était pas assez informés, on ne savait pas si de Draguignan ils monteraient en colonne ou ils monteraient éparpillés, et on a pris la position à Talloire. Tu vois, à Talloire, on avait barré les barreaux de Saint-Jean, et moi j'étais là, j'étais dans les pelles là-bas avec Fourcade, et toujours l'équipe Buisson, avec le fusil mitrailleur. Alors, tu te rends compte comme c'est couillon, c'est, dites-moi. La nuit, il y avait des Allemands qui montaient à pied. Pompon, il leur a parlé. En allemand, Pompon Buisson, hein. Rendez-vous, et au lieu de se rendre, ils tiraient, tu voyais dans la nuit, tu voyais des flammes, des armes automatiques. Et puis, tout d'un coup, on voit des phares qui s'allument et qui s'éteignent, qui arrivaient au barrage en bas. Alors Fourcade, il me dit, oh là là, le convoi arrive, il y a devant, ils sont venus prendre, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il me dit, où est-ce que vous arrivez? Alors, j'ai dit, le fusil mitrailleur, je l'ai attaché au pelle, là, il ne bouge pas, et vous l'avez dirigé, je l'ai dirigé sur le barrage. Eh bien, quand ils seront au barrage avec leurs phares, on fait péter, et on a tiré comme ça. Et tout d'un coup, on entendait, parce qu'ils étaient occupés, les Américains, on entendait, hello boy, United States of America! Merde, on dit, les Allemands par l'Américain. Pourquoi il a dit arrêtez de tirer. Et les Juifs se sont retirés. Non, mais là, on n'a tué personne. Les Juifs se sont retirés. Les Juifs se sont retirés et on a attendu le jour. Et quand on a vu le jour, on a vu les Juifs avec les étoiles de Sion, on a dit c'est bien les Américains qui sont là. Mais dites, le gros des Allemands était parti quand vous avez attaqué. Je te demande si le gros des Allemands était parti quand vous avez attaqué. Quand le gros des Allemands, la grande des troupes était déjà parti. Moi je me rappelle quand ils sont partis, il y avait toutes les voitures sur la place partout. Le gros des Allemands, ils étaient partis. Partis de quoi? De Castellane. À Castellane, je veux te dire, il n'y avait plus d'Allemands méchants de la Wehrmacht. Ils étaient il n'y avait partis. Plus que des vieux. Voilà, ils avaient laissé et des jeunes qui n'étaient même pas des Allemands. Des Polonais. C'était voilà, il y avait quelques Polonais et il y avait quelques Alsaciens. On les a vus après. Voilà, voilà. Il y avait des Alsaciens, des Polonais. Voilà. C'était plus des. Ceux-là, ils les ont laissés à Cassati. Les autres étaient partis, oui. Moi, je me rappelle quand ils sont partis. Sûrement. On a. Bon, ils ont tiré, il y a eu des morts et tout. Mais on aurait pu parlementer un peu plus. Ça s'est passé comme ça. Il y avait quand même des chefs de maquis et eux, ils savaient, c'est eux qui donnent les ordres. Les chefs de maquis, je dis, sénateur pour la FTP et le capitaine Charles Renoir pour la S, pour l'armée secrète, ils donnaient les ordres. C'était quand même la direction. N'était pas confié au Castellanais. La direction de combat était FTP, franc-tireurs et partisans, et armée secrète, des types qui étaient formés et qui avaient fait le maquis
depuis l'occupation allemande. Hein. Voilà, nous n'avions pas la direction. Nous...